Environ 300 kilos de viande de brousse, gazelle, agouti, biche, antilope et hérisson interdits de chasse ont été saisis dans différents restaurants de la ville de Diokwe. En présence des autorités sanitaires et sécuritaires, ces viandes saisies ont été incinérées, y compris le congélateur dans lequel elles ont été découvertes. Pour les autorités locales, ce geste fait suite aux mesures préventives prises par le gouvernement contre la fièvre Ebola dans la région et en Côte d'Ivoire. Vigilance à Diokwe, vigilance également à Adiaké, avec l'arrestation de 3 braconniers par le lieutenant Anno, chef des opérations des forces d'intervention rapide basées à Adiaké et ses hommes. Les 3 braconniers, Djanko Seydou, Lombani Akwasi et Kwasi Benjamin, ont été pris avec 3 bêtes en leur possession. Ils disent avoir effectué la chasse pour se procurer de l'argent en faisant fi des mesures prises par le gouvernement. Les responsables de la santé d'Adiaké ont procédé à l'incinération des bêtes. Les armes des braconniers ont été saisies. Elles seront déposées à l'état-major des forces armées de Côte d'Ivoire.